es ton corps, tu es ton esprit et tu es celui qui vit, qui habite dans une maison. Alors, le Seigneur n'est pas venu te sauver pour que tu puisses dormir dehors. Le Seigneur n'est pas venu te sauver pour que tu puisses être sauvé, mais malade. Non, le salut est complet. Alors, quand le péché est entré, comme on voit dans les livres de Genèse, c'est à cause du péché que l'homme pouvait devenir malade. Quand l'homme a mangé les fruits, c'est à partir de cela qu'il pouvait avoir mal à la tête. C'est à partir, après avoir mangé, c'est quand on l'a chassé du jardin. Maintenant, l'homme pouvait être un sans domicile fixe. Maintenant, le travail de Jésus, quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour régler cette situation. Il est venu pour régler cette situation. Que l'homme avait mangé, il a péché, on l'a chassé, il pouvait mourir. Il est venu pour que l'homme puisse être réconcilié avec Dieu. Alors, si l'homme est réconcilié avec Dieu, l'homme doit avoir sa maison. L'homme doit avoir son jardin. La maladie est entrée à cause du péché. L'homme en connexion avec Dieu ne peut plus être malade. Ne peut plus être malade. Quand la Bible dit que les jeunes mourront à 100 ans, quand la Bible dit que les jeunes mourront à 100 ans, c'est pour quand? C'est pour aujourd'hui. Parce que cette promesse-là n'est pas pour le ciel. Parce qu'au ciel, on ne va pas mourir. Au ciel, on ne va pas mourir. Maintenant, toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Et maintenant qu'on est en Jésus-Christ, nous sommes les guéris. Nous sommes les guéris, nous sommes les bénis, nous sommes les rachetés. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors, nous sommes comme il est, nous sommes aussi. Comme il est. Ça, c'est 1 Jean 4:17. Comme il est, nous sommes aussi dans ce monde. Comme il est, nous sommes aussi dans ce monde. Alors, lui, il ne peut pas être malade. Non, Jésus-Christ ne peut pas se dire que, non, aujourd'hui, bah, je ne vais pas venir me mettre sur mon trône parce que j'ai mal à la tête ou parce que j'ai une grippe. Non, non, il est sur le trône en train de gouverner, il est sur le trône en train de régner. Alors, comme il est, nous sommes aussi. Comme il est, nous sommes aussi. C'est lui qui est en moi et plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est cette force qu'on a en Jésus. C'est cette force qui est.